Bonjour et bienvenue sur mon site internet. Je me présente, je m'appelle Nathalie et je suis maman de deux petites princesses nées en 2012 et 2014. La naissance de ma première fille a été un vrai bouleversement dans ma vie. Ça m'a confrontée à plein de choses, entre autres ma perte de liberté, le fait de ne pas savoir toujours ce que notre enfant veut. Moi qui vivais de manière très contrôlée, j'ai découvert que ça ne pouvait pas se passer comme ça le jour où on avait un enfant. Et ça m'a également confrontée à l'idée de quel exemple j'ai envie de donner à mon enfant. Donc tout ça fait que je me suis posé plein de questions, entre autres par rapport au travail. Il faut savoir que je suis psychologue et qu'à cette époque-là, je travaillais comme assistante RH. Donc il y avait un réel décalage entre mes aspirations et mon travail. Le problème, c'est que j'avais un peu de peine à savoir ce que j'avais envie de faire. Je savais très bien ce que j'avais pas envie de faire, mais pas très bien ce que je souhaitais. La naissance de ma deuxième fille en décembre 2014 a réglé ce problème car elle était 24 heures sur 24 sur moi, nuit et jour, donc je dormais avec la petite qui était allongée sur moi. Et au bout de 3 semaines, j'en pouvais plus, je dormais vraiment pas très bien, j'avais toujours peur de la faire tomber. Quelqu'un m'a dit va faire de la parole au bébé. Donc je ne savais pas du tout ce que c'était, j'ai été découvrir et ça a été radical. Ma fille a commencé à dormir dans son lit, dans sa chambre, un étage au-dessous de ma chambre. Donc le changement était vraiment fulgurant. Et je me suis dit, waouh, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. J'ai eu la chance de pouvoir me former très rapidement avec Brigitte Denis, la créatrice de la méthode qui venait en Suisse. Et suite à ça, j'ai également découvert la communication connectée. Donc la communication connectée, c'est une manière de communiquer avec nos enfants. Et surtout de les comprendre, de leur offrir un espace de parole alors qu'ils n'ont pas encore le langage. Et dans ma vie quotidienne avec mes deux filles, c'était vraiment incroyable. Ça valait vraiment pleinement la peine de l'utiliser car j'arrivais à comprendre, entre autres, pourquoi elles pleuraient. J'arrivais à comprendre leurs besoins et je me sentais rassurée en tant que maman de réussir à leur offrir cet espace de parole et de comprendre ce qu'elles voulaient. Suite à ça, j'ai commencé donc à pratiquer la communication connectée, à former d'autres parents et à pratiquer la parole au bébé de manière thérapeutique auprès des enfants qui en avaient besoin. Et mes filles ayant grandi, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres défis quand les enfants devenaient plus grands. Entre autres, lorsqu'elles sont submergées par leurs émotions. Il y en a une qui a tendance à faire des crises de colère et l'autre qui a plutôt tendance à pleurer. Donc j'ai été regarder un peu ce qui se faisait et j'ai découvert les ateliers Mon Moment Magique. Je me suis donc formée au moment magique et simultanément, tout ça en automne 2016, au Kimochi. Ce sont des petites peluches qui ont été élaborées exprès pour parler des émotions et des interactions sociales. Donc depuis janvier 2017, je propose plein d'ateliers pour les enfants, pour apprendre à prendre soin de soi, à s'écouter, à se comprendre, à parler de ses émotions, à comprendre comment ça se passe quand elles arrivent dans notre corps, comment on fait pour pleinement les accueillir, comment on fait pour que elle passe et qu'on puisse passer à une autre émotion des fois plus confortable et plus agréable. Je fais également des ateliers pour les femmes, pour qu'elles aillent aussi un moment pour elles, pour prendre soin d'elles, parce que je me rends compte en tant que maman qu'on manque sérieusement de temps pour nous et que c'est vraiment nécessaire d'être pleinement ressourcée pour pouvoir s'occuper de ses enfants de manière satisfaisante, ou en tout cas qui nous satisfait. Donc je propose également ces ateliers pour les femmes et aussi plusieurs sortes d'ateliers parents-enfants, car je trouve que de voir la relation qui se crée dans ces ateliers où les enfants peuvent être pleinement eux-mêmes, où les parents sont là juste pour eux, où ils n'ont rien d'autre dans la tête, ce sont des vrais moments privilégiés où moi ça m'aime à chaque fois de voir ce qui se passe. Donc je peux vraiment dire que grâce à mes deux filles, j'ai eu la chance, l'opportunité de vraiment trouver ma voie à moi. Je leur en suis infiniment reconnaissante et chaque jour depuis, je sème des petites graines de compréhension de soi, d'amour de soi, de conscience de soi, mais également de légèreté, de rire dans le cœur des enfants et des parents. Donc j'espère que vous avez eu plaisir à voir ma vidéo et je vous souhaite une bonne visite de mon site internet. Merci beaucoup.